Salut les gones, salut les fenêtres, et bonjour et bonsoir à toute la communauté lyonnaise. Allez, on va essayer de bien commencer. Alors, un après-derby, on va en parler. Lyon l'a remporté, c'était le 124e du nom. Donc, on est heureux, on est content de ce match. Pas sûr, on va voir tout ça. Bien sûr, à la régie, notre ami Jo, comment vas-tu Jordan ? Écoute, ça va très très bien, je suis content de faire cette petite émission, on va pouvoir parler tous ensemble de cette magnifique purge que l'on a pu voir vendredi soir, un horaire et puis bien évidemment un jour très habituel hein, pour un derby, c'est bien connu, maintenant on va tous en parler ensemble dans la joie et la bonne humeur et en plus de ça avec un superbe invité. Tout à fait, tout à fait. Allez, on va commencer par notre chère équipe. Il est tout jeune, mais il adore l'OL. Il est là, le Jeannot. Jeannot, le stagiaire, comment vas-tu, mon grand ? Bah, ça va très bien, et vous ? La forme. Content de ton derby ? Okay. Du derby, factuellement, je ne sais pas si on peut être satisfait de ce match-là, au vu de ce qu'on a proposé. Mais d'un point de vue comptable, on va s'en satisfaire. Exactement, exactement. Allez, vous voulez l'histoire de l'OL, l'homme qui aime l'OL plus que tout, le Thiago. Thiago, comment vas-tu, notre cher Thiago ? Salut les gones, salut à tous. Eh ben écoute, ça va. Je suis un peu d'humeur assez morose. Hein. J'ai vécu un derby, je pense comme vous, très ennuyant vendredi soir. Donc voilà, on se relève tout doucement et puis. Voilà, comme a dit Joe, on a un superbe invité ce soir, donc hâte de débattre avec lui, et puis je salue également le chat. Voilà. C'est ça, ils sont toujours là, toujours présents. Et juste pour la petite info, on peut te couper ? Oui, et oui. Voilà. Quel professionnalisme, ce cher Thiago. C'est vraiment très, très, très pertinent, disons. Allez, on accueille le quatrième de la bande, on a pas de chaise. Notre cher Anis avec son soleil marocain et il est en pleine canne, notre cher Anis. Comment vas-tu ? L'OL, le Maroc, t'es sur tous les fronts là. Ouais, là je suis un peu taqué, je suis hyper content de vous retrouver, je suis beaucoup moins content du match de l'Olympique Lyonnais et je suis en stress pour l'équipe du Maroc demain qui joue son 8e de finale. Je suis un peu comme ça, mais là, il y a trop de choses à dire, trop de choses à discuter. Bon, je suis chaud, là, on y va, on commence, les gars, allez, on commence. Le Malawi, Anis, ça devrait le faire quand même, hein, on est d'accord. Et nous, on n'aime pas les équipes dites plus faibles, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus aucune équipe faible, mais voilà, c'est pas notre dada. Allez, on va revenir à l'Olympique Lyonnais, et surtout, on va revenir à notre invité. Un super invité ce soir, fan de football, à fond sur l'actu football, que ce soit sur Twitter et surtout parce que vous le retrouvez tous les soirs à 19h sur Twitch, on vous présente Manu Longeon. Comment vas-tu, mon cher Manu ? Ah. Non, ça a bugué. Ah. Manu. On a des réactions au niveau du visage, mais... Pas de parole. C'est expressif. Manu, est-ce que tu nous entends ? Que son micro est coupé, hein. C'est pas possible. Alors non, son micro n'est pas coupé. Est-ce que tu nous entends, Manu ? Bon, il va revenir, ne vous inquiétez pas. Bon. Il y a quelques petits soucis de connexion ce soir. Hein. C'est des choses qui arrivent, vous en avez l'habitude. Allez, eh ben, en attendant qu'ils reviennent, on va dérouler le menu du soir, bien sûr, avec avant toute chose. Alors attendez, on refait une tentative. Manu, est-ce que tu nous entends ? Ah oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Ça a coupé au moment où vous allez me présenter. Voilà, donc je disais, Manu Longeon, que vous retrouvez tous les soirs à 19h sur Twitch. Est-ce que tu veux déjà... Alors, présente-toi, présente-nous un petit peu ton émission et ton actu, s'il te plaît. Manu. Oh ben, tous les soirs à 19h sur Twitch, l'émission s'appelle le Manu Time. On décortique l'actualité footballistique du moment. On parle de foot, on a parlé du derby, on a parlé de l'avenir de l'OL. On parle un petit peu aussi de un petit peu tous les clubs. Il y a une communauté d'un peu tous les clubs et on parle de foot et à 99% de foot et voilà, donc tous les soirs à 19h sur Twitch. Eh ben très bien, je suppose que sur les gens qui nous écoutent ou qui réagissent dans le chat,
les gens sont déjà fidèles, on l'espère, de ton émission. En tout cas, n'hésitez pas, 19h, Manu Time sur Twitch, tous les soirs. Voilà, alors, tu parlais d'actualité, et justement, donc pour nous, Lyonnais, l'actualité, évidemment, de ce week-end, un tout petit peu avant le week-end, hein, Jordan en a parlé, un derby un vendredi soir, c'est quand même assez moyen, mais bon, c'est ainsi, et Lyon devait remporter ce 124e derby. C'est chose faite, c'est peut-être le début d'une petite série, un match nul contre Paris, deux victoires de suite sans prendre de but contre Troyes et contre Saint-Etienne, mais on l'a lu un petit peu de partout, la manière laisse à désirer, donc vous allez tous vous exprimer là-dessus. On va commencer par notre invité, évidemment. Ah bah non, il a redisparu, on va peut-être y arriver. Allez, Anis, mon cher Anis, que penses-tu, que retiens-tu de ce derby et de cette victoire 1-0, on le rappelle, but de Moussa Dembélé. Tu as ton micro coupé, Anis. Oui, spécial. Sinon, c'est pas moi. Du coup, pour moi, ce que je retiens, c'est la victoire, mais je suis complètement abasourdi par le jeu proposé par l'Olympique Lyonnais. Je suis complètement, même pas déçu, mais je me dis, quand je vois les prochains matchs qui arrivent, c'est passé face à Troyes, parce qu'ils n'avaient aucune équipe, Troyes. C'est passé face à Saint-Etienne. Je vous rappelle que Saint-Etienne a joué avec une équipe de National 5. Et malgré ça, on fait 15-0 avec une façon de jouer tellement indigeste que j'ai vraiment peur pour l'avenir. Donc moi, pour les prochains matchs, je ne parle même pas d'avenir, là, on va parler juste des deux ou trois prochains matchs. Et juste voir ça, je ne peux pas comprendre comment on peut être content. Alors c'est cool, on revient à 4 points du quatrième, mais à aucun moment, je me dis qu'on va pouvoir atteindre la cinquième, sixième place. C'est impossible, notre jeu ne nous permet pas, et même si la confiance revient, Je ne comprends pas. Les joueurs ne comprennent pas ce que demande Bosch, et je pense que même personne ne comprend ce que souhaite Bosch pour ce match-là. Enfin, pour tous les matchs. Thiago, ton ressenti premier tout de suite sur cette victoire 1-0 de l'OL. Non, mais je rejoins Nice. Match compliqué, amorphe, pas un état d'esprit assez défaillant. On s'est vraiment ennuyé. Effectivement, Annie, il a peur pour la vie. Pour les prochains matchs, moi j'ai peur pour la suite jusqu'à la fin de la saison. Honnêtement, là je suis très après. C'est à prendre avec des pincettes. Je me dis que la saison est encore longue, donc de me faire une raison. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu hier et derrière, et je pense qu'on y viendra aussi, mais certaines individualités, c'est vrai que c'est quand même très compliqué. J'ai certains joueurs en tête, mais je pense qu'on y viendra après David. Mais c'est vrai que voilà, c'était un match très très compliqué à tout point de vue. On a pris les trois points malgré tout. Donc voilà. Alors justement, moi je veux rebondir là-dessus en passant la parole à Jeannot. Jeannot, 7 points sur 9 quand même. Et si on écoute là nos deux collègues, et puis on va dire la twittosphère, etc., 7 points sur 9, ça semble, je sais pas, on n'a pas l'air de s'en satisfaire. Qu'en penses-tu et que penses-tu du derby? Non, tu évoquais le début d'une possible petite série. Le problème, c'est que je pense pas qu'on peut considérer ça comme une série, étant donné qu'une série de victoires, elle s'établit sur plusieurs facteurs. Donc, tu as le plan comptable, qui est le plus important, bien évidemment. Puis, ce que tu produis en match. Or, là, sur nos deux victoires, il n'y a aucun but dans le jeu, deux pénaltys. On a beaucoup de mal dans le jeu à se produire des occasions, à conclure nos occasions, c'est encore plus préjudiciable. Donc non, c'est normal qu'on ne s'en satisfasse pas, mais bon, voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu classique, mais les trois points et puis c'est tout. Bien sûr, un derby, ça se gagne, peu importe la manière, mais il n'y a absolument rien de rassurant pour les matchs à venir. Manu, notre invité, Manu Longeon. Alors, on sait que tu as vu ce derby. Tu n'es pas supporter ni des Verts ni de l'OL. Qu'est-ce que tu en retiens? Et est-ce que Lyon et les supporters, le club, doivent plus se focaliser sur les 7 points sur 9 pris ou sur, effectivement, comme l'ont dit nos deux chroniqueurs avant, nos trois chroniqueurs avant, sur une façon de jouer et un style de jeu absent et des victoires un peu poussives?
d'abord de prendre c'est les points. On est d'accord. C'est planté. Ah, c'est planté encore. On va pas y arriver ce soir. Jordan, même question. Qu'est-ce qu'il faut retenir l'analyse là. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Jordan? Alors, on doit penser au point, d'en penser à la petite série, ou on doit penser où manifestement ce que demande Boz n'est pas compris par les joueurs, ou bien trop compliqué, ou bien pas adapté. Quel est ton ressenti? Mon ressenti, il est très clair. Moi, je vois une équipe qui pêche énormément dans l'aspect offensif. Je vois une équipe qui, défensivement, est très solide de par le système de jeu qui, heureusement, on arrive à être bon défensivement vu qu'on joue tout derrière. J'ai l'impression que les joueurs sont pas adaptés au dispositif. J'ai l'impression que les joueurs sont pas suffisamment intelligents. Moi, ils n'ont pas une. Ça reste mes propos, hein. Mais je pense que les joueurs n'ont pas une assez grosse culture et compréhension foot pour être adaptés à l'intelligence de jeu que Peter Bosz puisse peut proposer en Ligue 1. Donc, je suis vraiment en dilettante par rapport à ce que l'OL propose. J'attends surtout que l'on soit létal devant le but, que l'on propose quelque chose offensivement. Étant donné que l'on ne propose rien, vu que l'on prend 6 points avec 2 pénaux. Bah oui, 6 points avec 2 pénaux, effectivement. Manu, donc ton ressenti, je te repose la question, ton ressenti sur ce derby, comment vois-tu, qu'est-ce que tu retiens de ce match? Est-ce que tu t'es tout simplement ennuyé devant ce 124e derby? Oui, c'était ennuyant. Et ennuyeux. En fait, il y a deux phases. Tu as les 15 premières minutes qui sont pas, jusqu'au pénalty en fait, qui sont pas inintéressantes, mais assez bizarrement, à partir du moment où l'OL marque, ça devient extrêmement ennuyeux et le match était inintéressant. Ok. Pour toi, si tu te mets 2 secondes à la place d'un supporter lyonnais, est-ce qu'il faut retenir cette mini-série, on va dire, 7 points pris sur 9 quand même, ou bien être vraiment inquiet sur ce que propose, sur ce que donne le jeu lyonnais actuellement? Les deux, mais d'abord prendre les points, parce que même si, entre guillemets, que 3 et Saint-Té, imagine si vous faisiez votre émission ce soir, vous avez ou fait un nul ou perdu le derby. Tu ne poserais pas la question de savoir quelle a été la qualité de jeu. Donc, tu as gagné. En fait, tu t'es donné un petit peu de temps et un petit peu de calme pour préparer les futures échéances. Ok, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Est-ce que tu es un petit peu sur le sous-titre un petit peu de ce que nous a posé notre régisseur? Donc, un derby, ça se joue pas, ça se gagne, on est bien d'accord. Et alors, pauvre dans le jeu, riche dans l'espoir, est-ce que toi, tu vois quelques motifs d'espoir pour cette équipe lyonnaise? Oui, notamment défensivement. Tu es l'Olympique lyonnais qui a pris 2 à Bordeaux, qui est nul, et qui aurait même failli prendre 3. Tu es l'Olympique lyonnais qui, défensivement, a pris l'eau à Rennes. Et mine de rien, contre 3, le match doit être plié bien avant. Contre Saint-Té, le match doit être plié bien avant. Mais au final, tu prends pas de but. Donc, c'est très, très antinomique avec ce que tu attendais de Peter Bosz. Mais au final, tu es très solide défensivement, en tout cas sur tes 2 derniers matchs. Parce que au final, je crois que Saint-Té cadre un tir sur le derby. Oui, donc, c'est ça. T'es pas mis en danger. Non. Non, ça c'est sûr, on n'a pas été mis en danger. Un bel arrêt, encore une fois, d'Anthony Lopez au bon moment. Jeannot, pauvre dans le jeu, riche dans l'espoir, où vois-tu ces motifs d'espoir si tu en vois? Alors, j'étais assez désespéré à la sortie du match, mais avec un peu de recul, je suis tout de même assez satisfait. D'ailleurs, grâce aux propos mesurés de Cookie, je suis assez satisfait de la débauche d'énergie des joueurs. C'est un premier point. Après, Manu a raison, défensivement on est beaucoup plus compact, beaucoup plus difficile à passer, ce qui est très positif d'ailleurs. Peter Bosz ne s'en cache même pas en conf de presse, étant donné qu'il dit s'il faut gagner 1-0 jusqu'à la fin de la saison, ce sera parfait pour moi.
Donc, il y a tout de même des points positifs, mais le problème, c'est toujours ces lacunes offensives qui nous empêchent de marquer, du moins un petit éclair de génie, et encore, est-ce un éclair de génie ou une faute de Kolodziejczak, je pense qu'on opterait plus pour la faute. Donc oui, c'est quand même affligeant de ne pouvoir rien produire offensivement face au 20e de Ligue 1 qui, très honnêtement, avait un niveau CFA ce vendredi. Donc oui, il y a de l'espoir, bien évidemment. De toute façon, on va toujours trouver de l'espoir parce qu'on est supporter. Mais bon, ça reste quand même fatigant, usant. On a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on n'arrive pas à trouver cette solution. On ne sait pas d'où vient le problème, quel est le vecteur de ce problème. Donc, c'est assez fatigant. Allez, et Anis, toi, le motif d'espoir, tu le places où actuellement quand tu penses à la compo que nous met en place Boz? Et voilà, comment tu vois la suite? Alors, je ne sais pas si vous m'avez muté ou pas. Non, c'est bon. Alors, moi, franchement, je vois aucun motif d'espoir. Alors, je suis désolé, Joe a dit un truc très juste. Cookie a dit un truc très juste. Joe a dit, on a sur les deux matchs sur lesquels on a joué, Troyes et Saint-Etienne, on a marqué sur un penalty. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que la partie offensive est vraiment catastrophique. Et on a joué contre des équipes dites assez faibles. C'est-à-dire que derrière, on a résisté défensivement, parce que offensivement, dans les autres équipes, ils étaient aussi complètement à la rue. Oui, mais Manu, t'expliques bien que dans la première partie de saison, contre des équipes comme Bordeaux, Angers, qui que ce soit, on se prenait alors, une vague dans la tête. On dit ça, ok, d'accord, mais demain, on va jouer Nice, on va jouer Monaco, on va jouer Marseille. Tu penses vraiment que c'est la même attaque que Troyes et que Saint-Etienne qui ont joué avec des CFA 3? Bah, contre Paris, on a été plutôt solide. Je dis pas que c'était... Moi, j'ai envie. Contre Paris, j'ai envie de composer. Je dis pas que c'était infaillible, mais on était contre correct. Contre Paris, il y avait qui? Il y avait Mbappé. Et encore. Oui, après... Voilà. Enfin, on a vraiment joué une équipe qui était au complet et qui savait que c'était quoi enfin, qu'il y avait une cohésion d'équipe, une cohésion offensive. Encore une fois, moi, je dis juste... On est en train de nous jeter de la poudre aux yeux en mode oui, on a eu 6 points sur 9 points ou non, c'est 7 quoi points c'est sur 9. 9 sur 9. 7 sur 9. Sur 9. C'est bien, c'est beau, etc. Quand j'entends, alors je veux pas dire que c'est ça, hein, mais quand j'entends dire on va pas recruter parce que on va faire avec ce qu'on a, c'est un effectif pléthorique, ok, j'accepte. C'est vrai, on a un bel effectif, on n'a pas un effectif de dixième, on a un effectif pour jouer au moins les 5 et 6 premières places. Mais aujourd'hui, concrètement, comment tu peux dire que devant, enfin, genre défensivement, on arrive à gérer, alors qu'à n'importe quelle vague, avec n'importe quelle équipe, on peut se prendre un but. N'importe quelle équipe. Et nous, devant, on a 500 occasions et on rate 500, bah, on en rate 499 pour en marquer une. Ce qui est. C'est illogique. Il y a un truc qui ne va pas dans cette équipe. Alors justement, on va y revenir à Nice, mais justement, j'ai envie de poser la question à Thiago. On a manqué un petit peu de conclusion, hein, tout simplement, hein, d'être plus efficace. Alors, si ce derby est gagné 3-0, est-ce qu'on a le même son de cloche aujourd'hui? Et est-ce que les motifs d'espoir, sont finalement différents, juste parce que peut-être Aouar aurait mis le sien, ou Dembélé, ou peu importe? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est lié simplement à cette victoire étriquée 1-0 sur penalty, ou est-ce que il y a un autre problème quelque part, Thiago? Le problème, c'est qu'on n'est pas 3-0. Par rapport à si on gagne le derby, est-ce qu'on m'entend ou pas? On m'entend bien? Oui. Ok. Pour ce qui est de gagner le derby en menant 3-0, est-ce que c'est une saveur tout autre? Effectivement, je pense que quand tu gagnes un derby ou un match tout court. Par ce score large, oui, forcément, ça veut dire que ton attaque a été plutôt cohérente. Or, malheureusement, vendredi soir, ce qu'on a vu, voilà, c'était, en tout cas au niveau de nos attaques offensives, c'était le néant, quoi. C'était le néant. C'était, on n'a rien vu. Je crois qu'on a quasiment pas tiré au but une fois. Enfin, quoique si, pardon, en deuxième mi-temps. Il y a 6 occasions quand même. Voilà, il y a 6 occasions, pardon. Non, mais voilà. Après, c'est vrai que si tu me poses la question, si tu me poses la question comme ça, je serais tenté de te répondre que oui,
c'est complètement différent de gagner 3-0. Voilà, c'est tout autre. Quoi. C'est, ce que je voulais dire, c'est pas la question de David. Est-ce qu'on se base sur la culture du résultat? Est-ce que si on gagne 3-0 sur ce match-là, on aurait un avis différent? Mais le problème, c'est qu'on ne gagne pas 3-0 sur ce match-là. C'est justement les lacunes qu'on pointe du doigt. C'est qu'on est incapable de marquer plus de buts. Et que, factuellement, sur les deux derniers matchs, nos deux buts sont des pénaltys. Donc, oui, en quelque sorte, on se base sur la culture des résultats, mais c'est aussi justifié. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que le match aurait pu être exactement le même, mais si on met, allez, je disais 3-0, c'est-à-dire deux occasions de plus, ça change un petit peu. Jordan, ton avis là-dessus, c'est un problème de réalisme ou c'est un problème de fond, c'est un problème de système de jeu, c'est un problème de coach, c'est un problème de manque d'envie, on l'a lu beaucoup ce week-end. Où tu mets le curseur, toi? Non, mais le problème, pour moi, c'est un problème de joueur. T'as aucun joueur, le dispositif... il n'est pas mauvais, c'est juste que l'exploitation qui est faite avec les joueurs que tu as ne conviennent pas. On en parlait tout à l'heure en off avec Manu, mais on n'est pas sur un 3-4-2-1 ou un 3-4-3 ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, on est sur un 3-6-1 étant donné qu'on a un milieu de terrain à 6 et que tout devant est scellé, on a Moussa qui en plus de ça a les pieds gelés. Donc il y a un moment, c'est soit on essaye de réfléchir à un système de jeu qui est cohérent, soit on prend le parti pris de mettre Paqueta avec une doublette avec Dembélé devant. Bon, il y a Toko qui revient, donc on va peut-être pouvoir changer de système de jeu ou essayer de trouver des solutions. Mais ça va pas du tout. Offensivement, ça va pas du tout. Moi, ça me dérange pas. Enfin, ça m'arrange même de pas prendre de but. Par contre, de ne pas en mettre, ça me dérange énormément. On met zéro but dans le jeu depuis je ne sais pas combien de temps. Depuis deux matchs. C'est ce qui te fait gagner les pénaltys, c'est bien sympa. Mais c'est pas normal. Et juste comme ça, je vais faire un petit. Je vais amener de l'eau à notre moulin. J'aimerais que l'on écoute quelques petites réactions d'après-match. On va d'abord écouter les réactions de Oussem Aouar après le match. Et ça, tout de suite. Le plus important, bien évidemment, c'est les trois points et la victoire dans ce match, parce que ça nous permet d'entamer une série et on en a besoin. Mais on a conscience aussi qu'il va falloir améliorer faire quelques ajustements au niveau du jeu. Et puis... Et puis après, ça sera beaucoup mieux, donc on va continuer à travailler. Pourquoi cette baisse de régime ? Ouais, on a bien entamé le match, je trouve, avec un pressing assez haut, dès la perte de balle, et même sur les phases arrêtées. Après, il faut savoir qu'on ne peut pas faire ça tout le match non plus, franchement, le plus important, c'est d'être revenu avec les trois points. Et comme je l'ai dit, bien évidemment, tout n'est pas parfait et on va continuer à travailler. Alors, tout n'était pas parfait, c'est certain. Alors, avant de repasser la parole, on va juste un petit mot sur notre invité. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Quelques problèmes de connexion pour notre ami Manu Longeon. Je pense que ça va être compliqué ce soir. On le recevra à un autre moment. Il y a, petit problème technique. On s'excuse. Réellement, on n'y est pas pour grand-chose, évidemment. Mais voilà, on va tout de même dérouler le fil de cette émission, malheureusement, sans lui. Alors, allez, moi j'ai envie de vous poser la question. Moi je suis de ceux qui pensent que ça sera plus simple pour l'Olympique Lyonnais de dérouler son football face, dès le prochain match, peut-être Monaco et après Nice, Lens, etc. Qui est plutôt de cet avis à Nice? Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu es très inquiet par rapport aux adversaires et un petit peu mieux classés, etc., que ce qu'on vient de jouer? Ou bien justement, le style de jeu avec des équipes qui ne vont certainement pas nous attendre, est-ce que ça ne va pas permettre à l'Olympique Lyonnais justement de développer autre chose? Alors, tu peux juste en poser la question, s'il te plaît, excuse-moi, je t'ai concentré sur autre chose. Simplement, vu les adversaires qui s'annoncent, oui. Monaco, Lens, etc., est-ce que ça ne va pas être plus simple pour l'Olympique Lyonnais de développer son football plutôt face à des blocs bas comme pouvait l'être Troyes ou Saint-Etienne? Alors, justement, moi, je ne pense pas. Pourquoi je crie un peu à la crise et à ce qui se passe? C'est qu'en fait, le schéma proposé par Bosch
n'est pas du tout calé en fait sur un schéma de contre ou de en fait de jouer haut ou de jouer bas en fonction de l'adversaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, nos milieux, je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, le milieu, lorsque je vois par exemple la dernière fois Thiago Mendes et Da Silva, je crois, oui, c'est ça, lorsqu'ils avaient la balle, le milieu ne proposait aucune solution. Le milieu était déjà devant, c'est-à-dire on n'avait ni Cacré ni Guimarães qui revenaient pour faire le lien entre le milieu et les attaquants. Et ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe coupée, on a une équipe qui est complètement déséquilibré, on le voit, on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont positionnés, combien de fois Paqueta, je le vois devant et derrière, pardon, en train d'essayer de récupérer la balle et du coup, il n'y a plus aucun lien pour les attaquants, combien de fois Moussa est esselé et on ne voit pas Aouar ni, enfin, je ne sais plus qui sur le côté qui essaye d'aider Aouar. Même chose pour Dubois, des fois Dubois, je le vois seul et qui veut centrer, on ne trouve même pas d'attaquant. Aujourd'hui, l'équipe est complètement déséquilibrée. Et moi, j'ai peur demain, lorsqu'on sera face à Monaco, lorsqu'on sera face à Nice, lorsque ce sera deux équipes qui vont être complètement organisées et qui vont aller beaucoup plus vite et qui vont faire tourner la balle beaucoup plus vite, on va très, très probablement perdre le fil du match et se prendre 2-3 buts très facilement. Moi, j'ai tendance à dire plutôt l'inverse, que justement, ça sera plus simple pour nous. Thiago, qu'est-ce que tu en penses? Plus simple, moins simple de jouer contre Monaco, avec qui ne sera pas un bloc bas? Est-ce que ça peut être plus simple justement pour nous pour développer quelque chose? Bah, ça dépend aussi dans quel état d'esprit tu arrives, mais moi, j'ai plus l'impression que ça va être compliqué. Monaco, c'est une équipe qui a un bloc dense, c'est une équipe qui va l'avant, c'est une équipe qui a du jeu en transition. Alors depuis l'arrivée de Paul Clément, c'est vrai que c'est Paul ou Philippe, je ne me souviens même plus, tu vois, je crois que c'est Philippe. Philippe Clément, je crois. Bon, c'est pas foufou, hein, c'est pas du jeu Gabonito, mais voilà, on sent qu'il y a quand même un état d'esprit qui se dégage de cette équipe. Donc voilà, ça va. Moi, je pense que de jouer comme on le fait depuis deux matchs, si on continue à jouer comme ça, surtout contre Monaco, ça risque d'être vraiment très très compliqué. J'espère bien évidemment une victoire, un très bon résultat. Mais après, moi, c'est ce que je vous ai dit également en off. Quand l'Olympique Lyonnais joue contre des grosses équipes, généralement, on se surpasse. Donc, j'en déduis que sur un match, voilà, comme contre l'ASVEL Monaco, comme contre le Paris Saint-Germain, etc., on arrive toujours à se surpasser, à proposer quelque chose par séquence, pas sur tout le match, mais par séquence. Donc, bon. Voilà, j'ai envie d'y croire, mais ça va être très très compliqué, hein. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. C'est loin d'être gagné. C'est loin d'être gagné, mais bon, on va tâcher de poursuivre la série, bien évidemment. Jeannot, justement, notre petit Jeannot, le stagiaire, comment il voit cette série qui arrive, justement? Eh ben, des équipes forcément un peu plus huppées, on va dire, que Troyes et Saint-Étienne. Comment tu sens le truc? Comment je le sens? C'est-à-dire que c'est assez compliqué, enfin, c'est très peu prévisible ce genre de rencontre, étant donné que on voit qu'on est capable de jouer de deux manières complètement différentes avec le même dispositif face à différents adversaires. Contre le PSG, on était très bas et on essayait une projection vers l'avant très rapide, jouer en contre, les prendre sur les espaces qu'ils laissaient dans leur dos. Alors que contre des équipes comme Saint-Étienne où le dernier match c'est 3, si je dis pas de bêtises, là c'était nous qui avions le ballon et le monopole du ballon et il fallait trouver des espaces dans la défense adverse. Donc est-ce que on va partir sur les mêmes principes, c'est-à-dire on conserve le ballon, la possession, on reste tout de même solide défensivement? Et on essaye de dominer très clairement l'équipe en face, ou alors, comme face au PSG, on joue très défensif, on attend que l'erreur soit faite par les adversaires et on joue en contre. Donc, c'est pour ça que, en fait, on sait pas grand-chose, voire rien du tout sur les matchs à venir. Donc, difficile de pronostiquer ou de prévoir quelque chose. Donc, je suis pas confiant. Je ne sais pas comment on peut être confiant au vu des matchs à venir. Ce qui est sûr, Alors, cependant, c'est que ça va être un mois décisif pour la suite de la saison. est-ce que justement ce changement va venir de notre meneur de jeu ou d'un de nos meneurs de jeu
J'ai nommé bien sûr Oussem Aouar qui fait parler de lui encore une fois, bien sûr, prestations mauvaises, pas mauvaises, etc. Oussem, mais t'es là, t'es où, t'es pas là, qu'en pensez-vous? Jordan, que penses-tu de notre cher numéro 8 actuellement? Malheureusement, j'en pense plus rien parce que je ne vois plus rien. Je voyais un Oussem Aouar en début de saison qui commençait à prendre un petit peu du galon, surtout en Coupe d'Europe. Où il rayonnait, hein, on l'a vu en C3, il a fait de très très beaux gestes, il a fait de belles différences, il a apporté énormément à l'équipe, on l'a vu aussi par bride en Ligue 1. Malheureusement, Oussem Aouar a disparu, je le cherche depuis pas mal de temps, je ne le retrouve pas. Je trouve un Oussem Aouar qui fait énormément de mauvais choix, qui joue un jeu qui est vraiment... Qui pense qu'à lui, en fait. Il ne pense plus au collectif. Dès qu'il prend le ballon, il a pour objectif d'aller marquer. Il regarde pas autour de lui. Le nombre de fois il aurait dû la donner à Moussa, même si je peux comprendre que dans la tête d'un joueur actuellement, on n'a pas trop envie de donner le ballon à Moussa, étant donné qu'il plante pas, hein, que à chaque fois que Moussa reçoit un ballon, il y a un contrôle raté, etc. Mais il n'empêche qu'il y avait des solutions qui se proposaient à lui en permanence. Des solutions qu'il n'a jamais prises. Moi, Oussem Aouar, je suis extrêmement déçu. Je pensais qu'il allait avoir un rôle crucial dans cette saison. J'ai recru en lui dès le début de saison en me disant que voilà, il avait peut-être plus la tête à Lyon. Et finalement, si, il s'était remis un petit peu la tête sur les épaules. Force est de constater que ce n'est plus le cas. Et c'est tout l'inverse. Moi, vraiment, hein. C'est tout le paradoxe de cet excellent joueur. On sait qu'il a du talent. Thiago, est-ce que tout doit reposer sur notre meneur de jeu? Est-ce que les maux actuels de l'OL sont dus à les carences offensives, à commencer par Oussem Aouar? Et on sait que Peter Bosz l'aligne tout le temps. Alors, bon choix de Peter Bosz, c'est par rapport à ce qu'il voit la semaine ou pas du tout? Il a des œillères, il faut qu'il change. Alors, comment tu vois ça? Moi, j'ai juste une stat avant de laisser la parole à Thiago. Vas-y, Jordan. De te couper. Hein. Mais Oussem Aouar, c'est le deuxième joueur à jouer le plus depuis le début de saison après Anthony Lopez. Ouais, bien sûr. Il faut se poser les bonnes questions. Voilà, je te laisse la parole. Alors, moi, je voulais. Voilà, bon, par rapport à ça, alors, moi, déjà, Peter Bosz, rappelons-nous quand même qu'en début de saison, lors de sa conférence de presse. Au début de la saison, à son arrivée, il nous avait quand même dit que lui et la méritocratie, c'était quand même quelque chose d'assez important. Et il se trouve que bah, moi, j'ai pas trop l'impression. Oussem Aouar est catastrophique depuis 2 matchs, voire même plus. Et il le reconduit encore et toujours dans un rôle en plus qui, pour moi, ne lui convient absolument pas. C'est un joueur qui n'a aucune percussion. C'est un joueur qui, au niveau QI football, sur l'aile gauche, c'est quand même très compliqué. Moi, Oussem Aouar, je le préfère en 8, je le préfère en 10 éventuellement, mais sur un côté, jamais de la vie. Donc voilà, déjà ça. Et puis, je reviens sur la méritocratie. Je pense que, alors après, c'est facile à dire comme ça, mais vu que le match est joué, mais j'aurais plutôt mis Cherki, même si Cherki également me déçoit. C'est un joueur, malgré tout, qui t'emmène une sorte de percussion. Chose que chez Oussem Aouar, tu ne vois pas, ou du moins, tu vois très peu, de temps en temps. Mais sinon, pour revenir à son niveau global, effectivement, c'est tout simplement catastrophique. Moi, ce joueur me désespère de plus en plus. Aouar, pour moi, c'est une saison à l'OL. Donc, sa première, 2017-2018. Et depuis, c'est en dents de scie, c'est un coup oui, un coup non. Donc voilà, On va faire un petit jeu. Il y a un petit truc dans le chat, là, Davmart1, qui nous demande « Et quelle alternative à Aouar ?» Alors, je vous propose, et dans le chat, et là, on va faire un petit tour de table. Quelle est l'alternative à Aouar? Alors, Thiago vient de dire « Cherki ». Jeannot, qu'en penses-tu? Quelle est l'alternative à Aouar si Peter Bosz se trompe? Personnellement, je ne regarde pas les entraînements, mais il faut bien qu'il soit payé à jouer, donc Shaqiri. Ok, Anis. Ton micro. Normal. Je mettrai Cherki ou Barcola ou recruter ou Paqueta ou tout joueur qui jouerait mieux qu'Aouar. Voilà. Ok. Paqueta était sur le terrain quand même. Hein. Jordan.
Ouais, mais pas au bon poste. Bah, ça dépend du système de jeu. On part sur le 3-4-2-1, bien évidemment. Sur un 3-4-2-1, il faut un attaquant, donc ça sera Toko. Dans la logique, moi j'enlève Awar, je mets Toko, puisque je veux un attaquant plutôt typé ailier, un attaquant qui peut prendre la profondeur sur des ballons qui sera distillé par Cacré ou envoyé en profondeur pour Emerson. Mais la solution dans un milieu de terrain, pour un milieu de terrain, il a raison, Jeannot, ça serait Shaqiri. Probablement, alors on en parlait parce que son entrée avait été bonne à 3 et puis finalement il n'a pas été aligné, il était encore remplaçant et encore une fois Peter Buzz a fait confiance à Awar. Donc dans le chat on voit un petit peu tout, il faut changer de système. Alors je le répète, on est actuellement, enfin je ne suis pas Peter Buzz évidemment, mais on joue en 3-4-2-1, donc on va parler du 3-4-2-1, voilà, s'il faut le changer. Et d'ailleurs Dave Martin a plutôt raison, enfin si on regarde ce que fait Buzz, il a aucune confiance en Cherki et pour Shaqiri, du peu qu'on a vu en ce début de saison, c'était mauvais voire catastrophique, même si sa rentrée récemment, ça devait être contre 3 aussi, ouais, il a été correct. Donc oui, pour Boz actuellement, quelle alternative, mis à part piocher dans le centre de formation, il n'y a pas grand chose. Oui, effectivement. Alors, est-ce que, alors encore une fois, pour parler du cas Awar, il joue. Pourquoi joue-t-il? Il a du matériel sur le banc quand même un petit peu. On n'a pas les meilleurs joueurs du monde, mais il y en a. Mais il manque en plus Toko. Mais cela dit, on ne voit toujours pas Shaqiri, on ne voit toujours pas Cherki. Alors, pourquoi? Est-ce un autre problème? Comment voyez-vous ça? Avant de passer au top flop, justement, est-ce qu'il faut mettre Awar forcément dans les flops? Et pourquoi joue-t-il, à ton avis, Anis? Bah, il joue, je sais pas pourquoi. Franchement, Joe a bien résumé, Jordan a bien résumé les choses. Je comprends pas pourquoi il joue. Lorsqu'il joue, il lève pas la tête pour voir qui est là. Il va absolument marquer son but. Après, est-ce qu'il veut pas passer à Dembélé parce qu'effectivement, il a pas confiance en lui. Comme je dis depuis maintenant 3-4 émissions, je suis désolé, mais cette attaque qu'on a, Cherki, Dembélé, Awar, Dembélé et je sais même pas qui est de l'autre côté, c'est pas du tout. Actuellement en tout cas. En tout cas, elle n'est pas du tout logique, elle n'est pas du tout cohérente, donc je vois pas du tout pourquoi ils les font jouer. Après, pourquoi il fait jouer tout le temps Awar? Est-ce qu'il est très bon d'entraînement? J'en sais rien, mais franchement, j'aimerais juste une fois qu'on essaye un vrai ailier type Barcola. On perd rien de toutes les façons. On n'a pas mieux à essayer tant que Toko n'est pas là. J'aimerais bien essayer ça, mais je comprends pas pourquoi il le fait encore jouer. Et je suis persuadé que s'il le fait pas jouer, l'équipe serait un peu mieux en termes de pour coulisser et en occasion. Il sera d'ailleurs intéressant de voir au retour de Toko dans ce système-là où Toko va jouer, d'ailleurs, entre parenthèses. Bref, ce n'est pas la question du jour. Ton top flop, Anis, on reste sur toi. Est-ce que Awar est en flop et qui tu as trouvé bon lors de ce derby? Non, je ne mettrai pas du tout Awar en flop. Je mettrai l'OL en flop. Et rien du tout en top. Alors franchement, là. Et ben, au moins, ça a le mérite d'être clair. Jordan. Ouais, top flop. Je pense qu'il va falloir. Et dans le chat, on vous invite. Alors, deux choses. On vous invite à vous abonner, évidemment. Hein, OK. Sur YouTube, sur Twitter, sur Insta. On s'abonne. Un petit like aussi, c'est important pour le référencement. Pardon ? Un petit like, un pouce bleu. Un petit like, exactement. Et on vous invite à faire la même chose dans le chat, votre top flop de ce derby extraordinaire. Jordan, je reviens à toi, excuse-moi mon ami. Il n'y a pas de souci, non. Il y a bien sûr qu'il y a des tops et bien sûr qu'il y a des flops. Dans le top, je suis désolé, mais si on refuse de mettre un Maxence Cacré qui a été rayonnant dans ce match, je trouve ça extrêmement décevant. Cacré fait partie du flop et de très très loin et dans du top et du flop, mais bien évidemment que ça sera Oussem Aouar. Je suis désolé, un joueur qui ne joue pas, qui ne se propose pas, qui ne propose aucune solution, qui ne propose rien, c'est un flop. Les autres joueurs ont touché des ballons, alors ça n'a pas été bon, mais ils ont fait des choses. Oussem Aouar n'a strictement rien fait sur ce match. C'est un flop. On est d'accord. Allez Thiago, top flop s'il te plaît.
Ils font combien? Un seul? Un seul. Regarde à Nice. À Nice, il a bougé tous les règlements. Donc, t'as le droit. Ouais, j'ai vu ça. Non, mais bon, s'ils font de rien, bah, comme Joe a dit Cacré, moi je vais dire Loukeba. J'ai trouvé vraiment monstrueux le Loukeba qui montre encore une fois où il montre. Franchement, ce gamin, c'est incroyable. Pour moi, c'est plus fort que Titi à CD. C'est un mec qui joue avec insouciance. T'as l'impression qu'il est 30-40 matchs de Coupe d'Europe. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Il est serein. Il a des relances qui, des fois, cassent des lignes. Il n'hésite pas à relancer court quand il le faut, à relancer long. Enfin, bref, ce mec-là est tout simplement incroyable. Et puis, en flop, Oussama War, je pense qu'on va le sortir. Mais moi, je mettrais... ça peut-être en étonner pas mal parce que c'est peut-être pas son pire match. Mais moi, Da Silva, j'ai un très gros problème avec ce gars-là. C'est un mec qui... très bien au niveau de ses tacles, etc. C'est un mec qui a de l'engagement physique, etc. Il n'y a aucun problème. Contre, c'est un gars qui, au niveau de ses relances, c'est très, très compliqué. Il a une grosse charrette derrière. Je mettrais plus Da Silva dans mes flops. Voilà. Mm-hmm. Ok, ok. Ça voilà, marche. C'est bon, j'ai tout dit. Je lis aussi ce que met Dave Martin, c'est pour ça, dans le chat. Ouais, Jeannot, le top flop, s'il te plaît. En flop, bon, on va pas toujours taper sur les mêmes. C'est pas vraiment un flop, mais il a pas été flamboyant comme il peut le faire habituellement. C'est Paqueta, je retiens pas grand chose de son match. Peut-être parce qu'il était esselé, mais je l'ai pas vu. Et en top, je vais changer aussi. Je vais dire Thiago Mendes qui m'a bien surpris. Oui. M'a agréablement surpris, qui apportait une certaine sérénité technique dans cette défense, à la relance. Il a été solide quand il fallait être solide. Donc ça, il faut le souligner quand c'est bien aussi. Et c'est un match satisfaisant de Thiago Mendes. Ok. Allez, pour ma part, je dis Cacré comme Jordan, et puis d'autres dans le chat. Et en flop, moi, je pense surtout à l'entrée de Kadewere qui m'a désespéré. Voilà. Enfin, voilà. Bon, est-ce qu'on a autre chose à rajouter? La jauge des 5000, est-ce que ça y est pour quelque chose sur l'ambiance générale et sur ce derby un petit peu morose? Possible. Jordan, qu'est-ce que t'en as pensé? On doit quand même en tenir compte ou pas du tout? Non, fausse excuse. Thiago. Non, c'est triste. Honnêtement, c'est triste. Ouais. Un stade, c'est huis clos. Un stade à huis clos, c'est triste, surtout pour un derby. C'est dégueulasse, mais fausse excuse. Je dirais pareil que Jordan. Après, c'est quand même aussi un paramètre à prendre en compte. Après, il faut pas trop s'attarder effectivement dessus. Peut-être que certains joueurs, ça peut jouer. Avoir un stade en fusion pour un derby, c'est toujours plus sympa que d'entendre gueuler à droite à gauche là. voilà, donc c'est... Non, mais bon, voilà, c'est une fausse excuse. Oui. Allez, Anis, on est des fausses excuses aussi. Non, rien à voir pour moi. 5000 ou pas 5000, jamais tu joues comme ça. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de voir changer? On joue donc samedi soir à Monaco. On rappelle qu'à l'aller, Lyon avait gagné et assez facilement contre Monaco, avait pas trop tremblé. Idem contre Lens, d'ailleurs. Donc, on présente toujours ces équipes comme des monstres. Mais bon, finalement, Lyon n'est pas si loin que ça. C'est mon côté supporter qui parle, là. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Est-ce qu'il est peu probable que le système change? Quand on prend pas de but, je pense faut tout de suite oublier. Qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui doit changer dès le prochain match de samedi, Jeannot? Qu'est-ce qui doit changer? C'est difficile à dire. Beaucoup de choses, trop de choses. Déjà, les joueurs, parce que il y en a marre de cette irrégularité, du moins de cette régularité dans le néant footballistique. Donc voilà, je pense qu'il faut apporter du sang neuf, des joueurs qui n'ont pas pu s'exprimer suffisamment depuis le début de la saison. Je pense à Ryan Cherki, je pense à un Shaqiri. Je pense notamment aussi à un Malo Gusto à la place de Dubois.
Donc oui, il y a beaucoup de choses à changer. Les mentalités, elles sont assez correctes. Voilà, s'ils en donnent plus, pourquoi pas. Mais voilà, après, qu'est-ce qu'il faut trouver une animation offensive. Ça va être lié avec le changement de joueur. Mais non, ça, c'est, encore une fois, c'est très très difficile d'analyser ce genre de match contre Monaco. D'autant plus que je sais pas vraiment quelle est la forme de Monaco actuellement. Je les ai pas vus récemment. Donc, en dents de scie avec quelqu'un les a vus. Moyen plus. Mais il y a une base quand même. Nous, on a malheureusement pas de base. Donc, mais eux, ils ont une base par contre. Ouais, allez, on verra ça. Allez, on va avancer dans le programme de cette émission. Grâce à notre cher régisseur Jordan. Le Social Tour. Alors, on l'a compris, bilan mitigé. Lyon se fait un petit peu taper dessus de partout. Les optimistes voient quand même les 7 points sur 9. Alors, bilan mitigé, remontada autorisée. Où voyez-vous, là aussi, encore une fois, c'est une question délicate. Où doit-on placer le curseur? Alors, on va lire un petit peu. Hein. Je vais lire, pardon. Le petit tweet de notre cher président qui a tenu à exister, encore une fois, sur Twitter. Alors, Jean-Michel Aulas, ouvrez les guillemets. Premier bilan post-trêve. On ne joue pas aussi bien que pendant la première partie de championnat, mais on ne concède plus autant d'occasions. On vient de prendre 7 points sur 9. On se retrouve à 4 points du 4e, à 9 points de l'OM, moins un match évidemment, qu'on doit jouer justement contre Marseille, et que le LFP veut nous faire jouer sans nos meilleurs joueurs. Bref, que doit-on retenir de ça? Donc il y a une réponse qui nous de Julien Jassy, voilà, c'est ça. Bref, il nous parle de Rennes, de Genesio, etc. Bref, c'est encore une fois tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Comment voyez-vous est-ce que JMA se trompe? Est-ce que sa sortie était obligatoire? Jordan, qu'est-ce que t'en penses, toi, du petit tweet du président? Non, bah le tweet du président, en réalité, il fait exactement ça comme habituel. C'est normal, il parle en tant que président, en tant que financier. Tu es obligé d'intervenir sur les réseaux sociaux comme ça pour montrer à tes investisseurs que tu es présent et que la situation n'est pas si grave. C'est pour ça qu'on insiste. Hein. Mais quand tous les tweetos s'acharnent sur Jean-Michel Aulas, il serait peut-être temps de grandir un petit peu et de comprendre que la com de Jean-Michel Aulas n'est pas faite pour vous, à moins que vous soyez investisseur de l'Olympique Lyonnais. Donc réfléchissez avant de parler. Et moi, je trouve ça intéressant. C'est le commentaire que Julien Jaff va faire à Jean-Michel Aulas avec un petit peu de positif. Ça fait pas de mal quand je lis. Et seulement à 3 points de Rennes de l'immense Genesio. C'est vrai que Genesio fait quelque chose de pas mal à Rennes, hein, il faut l'avouer. Il faut continuer à être solide défensivement avec le 3-4-3 bien pensé de Peter Bosz et améliorer notre efficacité offensive. Il ne faut pas lâcher jusqu'au bout et tenir mentalement dans les fins de match. La remontée est possible. Cette phrase est très importante. La remontée est possible. Bien évidemment que la remontée est possible. Et c'est pour ça que les Lyonnais doivent prendre c'est leur pleine responsabilité et comprendre que tout est encore réalisable. Moi, je vois des équipes qui sont en train de s'effondrer un petit peu dans le jeu à droite, à gauche. L'Olympique Lyonnais pourrait très bien faire une deuxième partie de saison flamboyante. Personnellement, j'y crois. Les stats le montrent aussi. Alors oui, dans le jeu, ce n'est pas bon. Oui, c'est inquiétant. Moi, je vois quand même une solidité dans la mentalité de certains joueurs qui est essentielle. Rien n'est, il n'y a pas tout qui est à jeter non plus. On va avoir des retours qui vont faire du bien. Je pense à Toko Ekambi, entre autres. Slimani qui peut être dans son rôle. Non, Toko Ekambi, on peut dire ce que l'on veut. Il est important. Non, si, il va pas venir tout de suite. Il va pas revenir tout de suite. Mais Toko va faire du bien quand il va revenir. Honnêtement, on était à l'Académie et à la Nationale 2 ce week-end. Il y avait Peter Bosz qui était là avec toute la cellule de recrutement. Vous inquiétez pas que les jeunes, ils sont en train de les scruter et que si des jeunes sortent du lot, ils vont les faire monter. Barco s'entraînait encore aujourd'hui avec les professionnels, malgré qu'il ait fait une performance assez affreuse avec la Nationale 2. Il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées en interne. Moi, je veux juste finir là-dessus. Je parle beaucoup, mais ça me tient à cœur. Mais quand on voit les gens qui sont en train de crier sur Twitter en disant que Jean-Michel Aulas ne débourse pas un seul centime,
il faut creuser le problème. C'est beaucoup plus profond que ça. L'Olympique Lyonnais n'a pas de finances. Alors déjà, c'est faux, premièrement. Et en plus de ça, l'Olympique Lyonnais n'a pas de finances. Est-ce que vous, quand on vous demande, si demain je vous dis, franchement, ta Clio, elle est pourrie, tu voudrais pas acheter un X5 ? Ben non, désolé, je gagne un SMIC. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire des merveilles. Il va falloir attendre peut-être la fin de saison pour se renflouer. En plus de ça, on vient de perdre 12 millions à cause de ces âneries de matchs supprimés, en plus de les deux plus grosses têtes d'affiche, les deux plus gros matchs de la saison, qui est le PSG-OL et le derby à domicile. Donc voilà, on souffre financièrement, on essaye de faire avec ce que l'on a, on essaye de bricoler, mais ça travaille. Si vous pensez que Vincent Ponceau est en train de se couper les ongles dans son bureau à rien faire, vous vous trompez, messieurs, ça reste l'Olympique Lyonnais. Il y a des cellules qui travaillent. Alors oui, c'est compliqué. Oui, on doit serrer un petit peu les fesses parce que ce n'est pas reluisant dans le jeu. Mais voilà, ça bosse. Donc, prenons un petit peu de recul. Arrêtons de s'énerver pour rien. Arrêtons d'être véhéments. Puis il faut comprendre que ça va être difficile tout au long de l'année et qu'on aura les solutions que l'on trouvera. Point barre. Exactement. Thiago, tu es d'accord avec l'analyse de Jordan ? Tu es d'accord avec notre président ? Tu penses aussi une remontada ? Quel est ton avis sur tout ça ? Alors déjà, d'accord avec Jordan, oui, mais pas surtout. Je suis en partie d'accord avec ce qu'il a dit, bien sûr, hein, je le rejoins. Après, quand il parle des supporters, des twittos, qui demandent de l'argent, etc. Il faut effectivement, comme l'a dit Jordan, que les gens arrêtent de rêver, arrêtent de s'imaginer que l'OL a encore des sous dans la poche. Mais le souci, et c'est là où mon deuxième point va arriver, c'est que le problème, c'est qu'Olas, il parle, il te dit que Lyon va bien, il te dit que le club va bien. Et le problème, c'est que c'est tout l'inverse. Et ça, en tant que supporter, je peux comprendre que ça dérange. Parce qu'au bout d'un moment... C'est ce que j'ai dit au début. Le truc que tu comprends pas, c'est que la com, elle est pas faite pour toi, Thiago. On s'obstine à le dire, mais certains. Il parle à nous indirectement. Non, mais Joe, il ne parle pas. Je suis dans un truc, mais c'est incroyable. Je suis d'accord. Non, mais Joe, je comprends que c'est indirect. Ça, je le comprends. Mais là, je parle des supporters qui, eux, ne le comprennent pas forcément. Et je me mets à leur place. Mais alors, ils ne parlent pas. Et je comprends. Prenons un peu de hauteur. Parce que c'est simple de dire quelque chose. Non, mais sûrement. Après, Thiago. Je sais pas si t'as fini, Thiago, pardon. Vas-y, on veut avoir ton avis. Je termine très rapidement. Ok, Thiago. Simplement, voilà, juste très rapidement, par rapport à ce que je viens de dire, c'est que les supporters se sentent dupés. Ils peuvent quand même le comprendre. Et il faut le comprendre aussi. On a été gavés 15 ans en arrière pendant quasiment une décennie entière. Et depuis une décennie, ça va moins bien, etc. Et je comprends tous ces gens-là qui ne se reconnaissent plus dans le discours du président. Alors, moi, je vais juste répondre rapidement. Il y a quelque chose qui me dérange dans tout ce que vous dites, dans le sens où, première chose, de quels supporters on parle ? Parce que, première chose, deux types de supporters. Il y a les supporters qui vont au stade, qui sont des supporters comme les Bad Gone, comme les 1970 ou je ne sais pas combien, les rouges et bleus. Ça, c'est des supporters qui, eux, sont peut-être un peu plus proches du club. Et après, tu as les supporters qui sont des supporters Twitter, qui, eux, ne connaissent pas de toutes les façons ce qui se passe dans ce club-là. Combien de fois, on ne va pas se mentir, on se le dit entre nous, on arrive à avoir des informations du club. Il y en a quelques-uns qui ont quelques informations. Entre la réalité de ce qui se passe dans le club et le fantasme des Twittos, il y a un monde. Mais combien de fois tu dis aux gens, mais ce matin encore, il y a un tweetos qui s'appelle Thiago Jasesnak ou je sais pas quoi, qui dit une chose qui était vraie en plus. Il dit juste, Juninho n'est pas aussi blanc que ce qu'on peut dire, mais le nombre de personnes qui lui sont tombées dessus en mode, non mais pourquoi tu dis ça, c'est pas sa faute, c'est la faute des autres. Oh les gars, si vous avez juste 5% des infos de ce qu'a fait Juninho dans le club, avec tout ce qu'il est, hein, la légende qu'il est, avec tout le poids qu'il est, etc., je pense qu'il y aurait eu des retournements de veste, mais des très beaux retournements. Et surtout d'une part, Juninho n'est pas tout blanc, mais Olas et Ponceau ne sont pas aussi noirs.
Et voilà, c'est toute la nuance qu'il faut trouver. Et il y a autre chose qui me sidère encore plus, c'est que même lorsqu'on apporte, c'est-à-dire que, on parle pas de nous, hein, pas nous, on est des insiders, des trucs comme ça, on le dit pas, nous on est rien, de toute façon on est rien du tout, et on donne aucune info. On donne juste que nous on analyse chaque match, on débriefe. Mais par contre, des journalistes qui font leur travail, genre des Romain Molina, des Hugo Guimet, d'autres journalistes, ils t'apportent l'information en te disant voilà, toutes nos sources concordent, toutes les sources concordent. Non, vous mentez, vous dites n'importe quoi, c'est pas ça. Les gars, l'Olympique Lyonnais, c'est pas du tout ce que vous pensez. Il y a du bon, il y a du mauvais, ok, mais s'il vous plaît, il y a comme l'adage dit, et je terminerai sur ça, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, si vous croyez à ce que dit Olas, c'est que vous n'avez pas compris comment déjà Olas communique. Ok. Allez, on va prendre un autre avis, parce qu'on a quelqu'un au téléphone, et quelqu'un d'important, bien évidemment, c'est le vice-président d'un groupe des supporters qui s'appelle les Rouges et Bleus, et dans le virage sud, dans notre cher Groupama, et on va accueillir Thierry Boisrivant des Rouges et Bleus. Comment vas-tu, mon cher Thierry? Ça va très bien, bonsoir tout le monde. Voilà. Alors, dis-nous tout, qu'en penses-tu? Ça va très bien, bonsoir tout le monde. De toutes ces analyses, du tweet de JMA, de la remontada, comment tu vois ça? Comment je vois ça? Bah, tout simplement, déjà, par rapport aux réseaux sociaux, j'ai tendance à penser qu'il y a énormément de personnes qui pensent qu'en un tweet, ils vont régler les problèmes de l'Olympique Lyonnais. Ils pensent qu'en un tweet, ils ont la vérité absolue, alors que tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir comme ils peuvent le penser. Le club travaille et travaille bien. J'en ai eu la preuve ce week-end encore en allant voir le match de National 2, entre autres avec Jordan. Nous avons vu ce match et on a vu que tout le board lyonnais était là pour scruter encore, et je pense qu'ils le font régulièrement, l'équipe de National 2 et de voir qui pourrait éventuellement venir apporter du renfort, puisque visiblement du renfort extérieur, on n'en aura peut-être pas forcément. Parce qu'après, acheter des joueurs pour acheter, quel est l'intérêt ? Il faut vraiment trouver un joueur qui va bien, donc un ou deux joueurs qui vont bien, mais si tu n'as pas les opportunités qui vont bien, c'est pas la peine d'aller acheter des joueurs pour les acheter. Donc voilà, je pense que toutes ces personnes-là qui ont tendance à cracher sur le club, et en particulier Jean-Michel Aulas, à le traiter de papy, ça, je pense qu'à un moment, il faut que les gens arrêtent. Ils oublient, ils ont la mémoire très courte, et ils oublient vraiment tout ce qui a pu être fait auparavant, et ce qui continue à être fait aujourd'hui. Maintenant, oui, des fois, dans sa communication, il n'est pas terrible. Mais là, il te donne du factuel. Il te dit, on a pris 7 points sur 9. On est un peu moins bon offensivement. Par contre, défensivement, on est meilleur. On prend pas de but. On en a pris un contre Paris, OK. Maintenant, moi, mon avis personnel sur ce sujet-là, je sais que je l'ai dit à bon nombre de personnes. J'avais dit que sur les 5 prochains matchs, donc j'ai pas compté Marseille, qui est un match en retard, j'avais dit que sur les 5 prochains matchs, en comptant Saint-Té, donc il y a Saint-Té, Monaco, Nice, Lille et Lens, j'ai dit qu'on prendrait 15 points. Maintenant, on en est déjà à 3 sur 15. J'espère qu'on prendra les 12 autres, j'espère que j'aurai raison. Et voilà, parce que je pense que cette assise défensive qu'on a attrapée, qu'on a su trouver, maintenant, il faut qu'on arrive à travailler sur le côté offensif et arriver à être plus tueur. Et si on n'est plus tueur, on va être capable de faire quelque chose contre ces 4 équipes qui sont... On nous le dit monstrueuse, mais bon, finalement, Lens n'est que 2 points devant nous. Ils offrent un super jeu, mais au niveau des points, ils sont que 2 points devant nous. Donc voilà. À un moment, j'ai, moi, de l'espoir. J'ai vu c'est vrai que les matchs sont pas magnifiques, mais j'ai des lueurs d'espoir dans certaines phases de jeu qui me font dire que peut-être que la patte Peter, elle est en train de prendre. Voilà. Bon, sachant qu'il y a 10 jours pour travailler un petit peu plus, vu que le match de Monaco, évidemment, n'est pas ce samedi, hein, c'est le samedi suivant. Bon, eh bien, on va y croire. Alors, l'optimisme de notre cher Thierry, qui le partage parmi nous là? Moi, franchement, je le partage à 2000%. Déjà parce qu'on a vu les mêmes choses que je vois quand même des personnes qui travaillent au sein du club. J'ai même parlé à des personnes qui font partie du recrutement de l'OL. Et quand on peut voir actuellement des mecs du recrutement très haut placés, qui sont des bras droits de Jean-Michel Aulas et qui sont très très haut placés, venir passer leur samedi et leur dimanche à la N2 et à l'Académie. Exactement. Pour voir les jeunes jouer, je suis désolé, mais je pense qu'il y en avait certains qui avaient d'autres choses à foutre
samedi après-midi, au lieu d'être dans le froid, givrer à regarder des jeunes jouer, ça veut dire quelque chose. Il faut arrêter de déconner. Et souvenez-vous d'une chose, parce que les gens ont la mémoire courte, mais l'Olympique Lyonnais, c'est la formation. L'ADN de l'Olympique Lyonnais, c'est la formation. La formation nous a sauvés de tellement d'années de problèmes financiers, etc. Moi, j'y crois. Je ne pense pas que l'on ait des Lacazette dans la formation. Mais par contre, je pense qu'il y a des personnes qui ont du mérite, qui ont de l'envie. Et l'envie, c'est exactement ce que l'on a besoin actuellement à l'Olympique Lyonnais, chose que certains joueurs n'ont plus. Et ces joueurs-là, justement, doivent passer au second plan et on doit aller chercher ce qui fait le sang de l'Olympique Lyonnais. C'est ces jeunes. Et je vous assure que tous les petits jeunes le savent très, très bien qu'il y a une place à prendre. Et quand on a faim, on mange. Ok. Jeannot, toi, sur cet optimisme, tu le partages ou pas? Alors moi, j'avais juste un petit sentiment. On a l'impression au début de la saison, donc on joue pas trop mal, mais on prend trop de buts, personne n'est content. Puis là, quand on prend plus de buts, bah, c'est devant. Maintenant, non, on est nul, on joue pas, on développe rien. Bon, doit-on attendre forcément énormément d'une équipe actuellement classée 10e, alors certes avec un effectif comme l'a dit Anis en début d'émission où on doit évidemment attendre mieux, mais finalement on n'est que 10e, il doit y avoir des raisons à cela. Où tu places toi ton optimisme ou pas du tout par rapport à la remontada espérée par tout le monde? Alors je pense déjà qu'il faut revoir nos objectifs à la baisse. On n'a définitivement pas le niveau et tout ce qui suit pour prendre une deuxième place confortablement, comme on a pu le faire sur les années précédentes. D'autant plus qu'il y a des clubs qui travaillent très bien à côté, avec un fonctionnement complètement différent d'une autre. C'est pour ça que c'est incomparable et que les tweetos qui comparent Marseille, Lyon, Nice, etc. À tout va me font bien rire. Mais un club comme Nice qui s'installe sur la deuxième place du podium pour l'instant, Marseille, qui produisent des belles choses, pour l'instant je vois même pas comment on peut les concurrencer. Après moi j'ai je mets un petit bémol, Jeannot. Vas-y, tiens. Bien sûr. Ouais, autant Nice je vois pas comment on peut les concurrencer, autant Marseille il y a encore le match en retard. Voilà. Juste oui, mais bien sûr, mais Marseille il y a quelque chose qui est produit là-bas, il y a un jeu, les joueurs s'entendent entre eux. Tu sens que t'as l'impression que cet effectif joue ensemble depuis 2 ans et que ça commence à être bien huilé. Moi, j'avais peur pour Sampaoli que ça soit un vrai feu de paille au bout de 3 mois. Au final, non, ça s'est stabilisé. Après, à voir, bien sûr, il reste encore toute une deuxième partie de saison. Mais je suis assez confiant pour les Marseillais. Mais c'est autre chose. Je pense que nos objectifs doivent être le top 5, donc l'Europa League. C'est le minimum syndical et en Europa League avoir un parcours satisfaisant voire excellent. Et est-ce que je suis optimiste? Oui, je le suis parce que je suis un supporter et que je ne peux pas être autrement, mais j'ai un optimisme surtout beaucoup plus profond, notamment pour le futur de l'Olympique Lyonnais, parce que nous sommes riches. Alors, nous sommes pauvres et riches à la fois, parce que nous sommes riches en infrastructure. Nous sommes riches avec un Noël Vallée immense qui, d'après les calculs de Jean-Michel Aulas et de ses compères, devrait rapporter énormément d'argent. On devrait être le deuxième centre de loisirs de France après Disneyland, ce qui nous permettrait d'être indépendants économiquement. Et si nous sommes indépendants économiquement, que nous avons une deuxième source de revenus aussi importante que ce que l'on dit, nous serons capables, avec des gens au bon poste, pas comme Juninho, directeur sportif, avec des compétences qui sont bien précises, si ça suit pour le sportif, je pense que nous aurons un Olympique Lyonnais flamboyant dans les années à venir. Bien, bien. Et eh ben, écoutez, en tout cas, ça réagit beaucoup sur le chat et on remercie. Hein, vous êtes tous bons, les mecs. C'est vraiment très bien. On remercie Thierry également qui nous a appelé. Merci à toi, cher ami. À bientôt sur la chaîne et ailleurs.
Voilà, voilà, voilà. Allez, alors à Nice, par rapport à tout ça, on doit y croire, on ne doit pas y croire. Est-ce que, moi, ce que je disais un petit peu, qu'on n'est finalement jamais content, tu partages cet avis ou toi, bon, tu nous as fait part un petit peu de ton pessimisme, mais est-ce que le fait qu'on soit quand même jamais content, même quand Lyon prend 7 points sur 9, est-ce que ce n'est pas ça aussi un petit peu qui installe une certaine morosité ambiante autour de l'équipe? Alors moi déjà, j'aimerais dire que c'est pas du tout pessimiste, mais réaliste. Ouais, on comprend ce que tu veux dire, bien sûr. Je suis pas pour, je suis pas là à voir tout en noir. C'est juste que aujourd'hui il y a un souci de cohérence dans plein de choses. Je lis depuis tout à l'heure sur le chat et je comprends que on aurait dû anticiper pas mal de choses. Encore une fois, je suis d'accord avec eux. On aurait dû anticiper, mais il y a une réalité des choses. Malheureusement. On peut pas, enfin, comme a dit, je crois que c'était Jordan, on a des matchs Paris, Saint-Etienne et je sais plus lequel, où on n'a pas eu de public. Donc déjà, c'est quand même 12 millions ou un peu plus en moins dans nos caisses. On a des retraits de points, on a pas mal de choses qui font que ça nous a un peu planté. Moi, je suis pas aussi rassuré que vous avec OL Valais. Je pense pas que ça va être une manne financière énorme parce que s'il y a trop de facteurs d'imprévus, dans le sens où, ok, c'est très bien, mais je pense que aussi demain, s'il y a une nouvelle pandémie, bah, on coupe tout. Après, il peut pas prévoir les pandémies. Oh là, c'est ce que je dis. Le truc, c'est évidemment que... contrarié par la pandémie. On est bien d'accord. Oui, mais... voilà. En fait, il y a des facteurs. Je trouve dans OL Valais, c'est super. J'aime l'idée, mais c'est pour moi, quand je vois le Bayern, et je crois que je l'ai vu sur le Figaro, le Bayern, il a le même modèle que nous, c'est-à-dire qu'ils ont leur stade avec plein de divertissements autour. Ah, faut que je réagisse. Le Bayern, d'après le Figaro, je crois que c'était même pas 10% de leurs revenus. Alors, encore une fois, ça veut tout dire. Attention quand même, hein, on peut comparer, mais le Bayern, c'est fin de tout ça, c'était 2005 et nous, c'est 2016 hein, quand même. Hein, donc il y a quand même 11 ans plus tard et ce n'est pas fini d'ailleurs. Bon, on verra. De toute façon, Thiago. Voilà, Thiago, l'OL Valais, la remontada, etc. Comment tu vois tout ça? Non, mais alors, moi, il y a un truc qui m'agace un peu. Après, je comprends ceux qui pensent à tort ou à raison, ça on ne sait pas encore, mais qui voit que par où elle valait, parce que des sous vont rentrer, etc. Moi, j'aimerais qu'on se concentre vraiment sur le sportif. On est 11e, moi je suis désolé. Revoir mes objectifs à la baisse, c'est pas possible. Honnêtement, là, actuellement, c'est pas possible. En tant que supporter, j'espère qu'on se qualifiera pour une Coupe d'Europe, mais on est 11e. Deuxième chose, OL Valais, comme l'a dit Anis, demain t'as une pandémie. Alors oui, il peut pas prévoir, très bien, mais demain t'as une pandémie, c'est tout qui capote et t'as zéro rentrée, ou du moins très peu. Ça fait, moi je calcule aussi, hein, ça fait deux saisons ou trois qu'on n'est plus en Ligue des Champions. Moi je suis désolé, mais avant de penser à OL Valais 2024, les JO et les barbecues là, il faut d'abord penser un peu sportif. On a une équipe déjà un peu en balance. Mais ça fait 30 ans qu'il pense à OL Valais. Quand il arrivait au club en 1987, il pensait déjà à OL Valais. Ça fait des années qu'on sacrifie le sportif pour le projet économique. Le but, c'est une fois que tu as ton projet économique qui est solide, qui est construit, ben, tu peux construire sur le sportif. Je suis d'accord. Mais là, actuellement, tu as eu une pandémie qui a frappé tous tes côtés financiers, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, tu es dans... au niveau sportif, pour moi, tu devais te concentrer au niveau sportif. Alors oui, tu n'as peut-être pas les fonds nécessaires pour recruter des joueurs. Ça, je peux l'entendre, il n'y a aucun problème. Sportif, et comment tu le trouves, ton argent, Thiago? Le truc que tu ne comprends pas, parce que le serpent se mord la queue depuis des semaines et des semaines, voire des mois, même des années, avec ces propos-là, tu nous dis... Le sportif, c'est important, mais bien sûr que c'est important le sportif. Et comment tu vas chercher des joueurs? Avec quoi tu vas les payer? Tu n'allais pas les payer en sucette? Faut bien que tu puisses obtenir de l'argent. Mais t'as quand même de l'argent dans les caisses. Je comprends pas, parce qu'en fait, les supporters de l'OL demandent deux choses. Ils demandent d'être très très bons sportivement et à côté de ça, de créer un modèle économique monstrueux digne des plus grands clubs du monde. Le problème, c'est que tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tout se fait étape par étape. En tout cas, pas tout de suite. Non, mais Jeannot, c'est comme si... Justement.
C'est comme si à Disneyland, t'avais Disney, mais t'avais pas Mickey. Et bah à l'OL, c'est pareil. T'as OL Valley, mais le sportif derrière, il est où? Il est pas là. Et bah c'est complètement con. Oui, mais pendant la construction de Disneyland, Mickey, il était pas là non plus. Mickey, il arrivait après. Une fois que Disneyland était construit, que c'était tout beau et tout propre. Exactement. Ouais, je suis plutôt d'accord. Et le problème, c'est que ça se traverse des saisons. Je comprends pas. On va pas. C'est ce que j'allais dire. On va entendre Alice. Juste pour OL Valley, c'est il n'est pas au centre de Lyon, c'est pas des gens qui vont aller tous les jours à OL Valley ou le week-end en disant les gars, qu'est-ce qu'on fait en famille, venez voir OL Valley, il y a des trucs à faire là-bas. Mais bien c'est sûr pas que si, Yannis, bien sûr que si. Vraiment. Après, je sais pas, moi, je n'étais pas dans le bureau de la Réunion, mais ils sont nombreux à avoir fait des calculs savants et je suis persuadé qu'il y a. Je vais juste poser une question et vous me dites. Moi, j'ai habité à Paris pendant 10 ans. Juste. Quand je voulais partir à Paris, désolé, lorsque j'avais envie de faire un truc le week-end, je le faisais autour de chez moi. J'allais pas jusqu'à Marne-la-Vallée, enfin si je le faisais parce que c'était Disney, mais j'allais pas jusqu'à, je sais pas moi, Ikea, je sais pas quel, à 2 heures de Paris, juste pour aller me taper Ikea ouais, je sais pas, un truc comme ça, ouais. J'allais pas là-bas, hein. J'y allais une fois parce que je devais acheter un putain de canapé et encore je le faisais en ligne, mais Disneyland, si je vais à Marne-la-Vallée, c'est parce que c'est Disneyland, les gars. C'est parce qu'il y a le une équipe, parce qu'il y a Marvel. Aussi, et... Ça déjà, oui, c'est un non, mais arrêtez. Non, mais les gars, attendez. Samedi soir, les gars, vas-y, Jordan, On va dire la même chose que David. On était à OL Valley samedi soir où il faisait un temps horrible, ça caillait comme pas permis. Et il n'y avait pas de match. Il n'y avait pas de match. OL Valley, c'était blindé. Donc, vos délires de théories fumeuses, vous les gardez pour vous. Moi, je te parle de factuel. Factuellement, il y a du monde qui va à OL Valley. Les gens, ils vont aller faire un bowling. Les gens, ils vont au resto. Et au sportif, Joe, factuellement, au sportif. Et le sportif, factuellement, Joe. Bah non, c'est vrai. Mais le comprends pas, en fait, c'est que tu as besoin d'argent pour avoir ton sportif. Tu dois rembourser un stade. Tu as eu une crise horrible à cause de la pandémie mondiale qu'il y a eu. Qu'est-ce que tu pouvais en savoir que cette pandémie mondiale... Joe, on est actuellement dans le ventre mou de la Ligue 1. On nous bassine avec OL Land. Enfin, avec OL Valley. Moi, je suis désolé. C'est sorti de son contexte. Enfin, président Aulas, je vous aime beaucoup, mais venez, on parle sportif. Qu'on arrête de bassiner avec OL Valley. C'est pas d'actualité pour le moment. Il y a une crise encore économique et due au Covid. Pour moi, c'est pas. Oui, après, c'est pas de sa faute aussi, je l'entends. D'accord. Mais c'est pas le moment de parler de ça aussi, forcément. On a compris. Mais au niveau sportif, on est là. Le moment, on repousse à chaque fois. C'est comme avec Peter Bose. À moindre mesure, c'est comme avec Peter Bose. On lui dit ok, viens, moi, je vais avoir une identité à l'Ajax. Ça va être magnifique, tout beau, tout propre. On va jouer comme des dieux. On te laisse tout le temps qu'il faut. À 6 mois, putain, on est 2e du championnat. Faut le virer, faut le dégager. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Tu peux pas tout avoir. Tout d'un coup, il y a des étapes à passer et au fur et à mesure, tu vas avancer. Mais Peter Bosz, c'est un peu le même projet qu'OL Valley à moindre mesure. Je rêve que ça marche, OL Valley. Hein. Je tiens quand même à te le dire. Bien sûr, mais après... Je crois que tu t'en foutais des barbecues et de Titi et Gromini. Actuellement, oui. Actuellement, quand on me dit OL Valley en 2024, mais rassurez-vous. Non, mais... En fait, il faudrait que dès maintenant, tu aies 15 millions qui tombent dans les poches tous les 2 mois. Moi, donc, de ce que je comprends, c'est que dans 2 ans, tu seras content d'avoir l'argent d'OL Valley et tu vas te lustrer quand on va avoir des grands joueurs qui vont débarquer. Par contre, actuellement, tu ne veux pas attendre. En fait, fais partie de tous ces enfants gâteux qui ont eu énormément pendant des années du caviar à la louche dans la bouche. Et par contre, dès qu'il y a une petite période de crise... Oh là là, méchant Olas, il investit dans OL Valley. Il faut arrêter les incohérences. Non, mais c'est pas ce qu'on dit, Jordan. C'est pas ce que je dis. Jordan, juste je dis un truc et je vais rejoindre un tout petit peu Thiago. Moi, OL Valley, très bien. Je comprends la logique. Je me rappelle encore en 2004, pas en 2004, en 2000 2008. Ou en 2002. Non, même pas en 2000, en 2002, il parlait déjà de OL TV et en disant lorsqu'on créera OL TV, c'est pour apporter plein de choses. Ok, moi ce que je dis, et je vais rejoindre d'ailleurs, je suis en train de lire sur le chat aussi, toi tu parles de grands joueurs. Pour que des grands joueurs viennent chez nous, il faut qu'il y ait un projet sportif. Moi c'est ça qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui on se concentre sur l'économie. Ok, et je comprends encore une fois, je comprends la logique, je suis d'accord avec toi, il nous faut de l'argent. De toute façon, il faut que ça vienne quelque part. On n'est ni le Qatar, on n'est ni la Chine, et on n'est ni Marseille, ni EOS de Nice. On est d'accord. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je trouve, et c'est personnel, c'est mon schéma, moi, économique dans ma tête, qu'on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que Ola s'est dit, moi, je crée l'économie, et ensuite, venez.
Alors que normalement, ça devrait être, il y a les résultats sportifs, donc on crée le sportif qui va donner envie aux gens de venir à OL TV, de venir à l'OL, de venir voir les joueurs. Et à ce moment-là, quand tu verras que les joueurs sont contents d'être à l'OL, quand tu verras qu'il y a du monde qui vient supporter l'OL, alors à ce moment-là, tu as des grands joueurs qui vont dire « Ah ouais, Lyon, j'aime bien, j'ai envie de venir ». C'est comme ça que moi, enfin pour moi, c'est comme ça le schéma. Alors que là, pour moi, on le fait à l'envers. Mais le problème, c'est qu'on a mis tellement d'argent dans OL Valley qu'on pouvait pas mettre autant d'argent dans le sportif. Enfin, c'est ça le problème. Mais le but, mais et encore une fois, après, oui, je peux comprendre que vous soyez stressé que OL Valley ne marche pas. Mais non, moi, ce que je vois, c'est que Disneyland, il y a un article qui est sorti il y a pas longtemps, depuis 1995, c'est plus de 60 milliards d'euros rapportés à l'économie française. Si on devient, imaginons, parce que. Voilà, bien sûr, vous pouvez douter, mais Olas, il n'a pas investi autant d'argent comme ça, il ne l'a pas fait à l'aveuglette. Mais ça n'a rien à voir. Là, tu compares Disneyland, qui est en plein Paris, et encore, qui est en banlieue parisienne, l'Île-de-France, c'est Thierry te dit que c'est blindé au El Valais, alors que ça fait même pas un an qu'on y est. Et quand je vois des gens dire... y avait un mec dans le chat qui disait « Les gars, ça fait 10 ans qu'on a dans, soyez pas dupes. » Non, mais déjà, comparer Disneyland à El Valais, en 10 ans, on était à Gerland. On ne possédait même pas le stade. Là, on a un stade mais magnifique qui fait deux fois l'affluence de Gerland. Enfin, pas deux fois l'affluence, mais un tiers de plus. On remplit même pas d'ailleurs le passage. C'est un problème aussi, mais bon, ça c'est encore autre chose. Non, mais on remplit pas à fond non plus. À part pour les gros matchs, mais bon. Oui, ça c'est autre chose, mais ça viendra avec les résultats de toute manière. Bah voilà, donc il nous faut du sportif. Bref, on avance. Mais le problème, c'est que eux, ils te diront, pour le sportif, il faut de l'argent, donc où elle va aller, tu vois, c'est toujours un peu en... Oui. C'est ça, le problème aussi. Non, mais attendez... C'est pour ça qu'il faut être patient, comme toujours. Attendez, moi où j'y crois, si je peux me permettre, effectivement, j'étais présent ce samedi, c'est que pendant que les autres clubs n'engrangent zéro, parce qu'ils n'ont pas ça, à Lyon, à l'OL Valais samedi, il était impossible de manger... nulle part parce que c'était tout complet, il était presque impossible de jouer au bowling parce que c'était complet. Attendez les gars, pendant ce temps, c'est pas le restaurant de la SSE ou le restaurant de l'Olympique de Marseille qui allait leur rapporter le moindre centime, ils en ont pas. Donc laissez faire la machine, laissez passer la pandémie, on en reparle dans 5-10 ans. Alors oui, il faut peut-être être patient, certainement, mais quand même, l'OL travaille, ne vous inquiétez pas, on a rencontré hier la nouvelle, on avait la chance d'être à l'académie, la nouvelle cellule de recrutement, 5 nouvelles personnes. Dont Alain Caviglia, qu'on a salué. Voilà, l'OL travaille, ne vous inquiétez pas pour ça. Après, oui, l'OL est 11e, qui ne s'est pas trompé. On pensait tous que peut-être le plan Peter Boss allait marcher plus vite, certainement. Et puis, même si on revient 10 ans en arrière, quand il prend Puel, c'est voué à l'échec. Non, il ne le sait pas. Quel club ne s'est pas trompé? Quel club, quel même très grand club ne s'est pas trompé? Soyons peut-être un petit peu patients. Alors certes, on est 11e, Lyon ne va pas finir 11e. Moi, je reste sur ma 4e place, j'en suis persuadé. Bon, voilà, ce n'est que mon avis. Avant de clôturer cette émission, qui a un petit mot encore? Bon, le débat était compliqué aujourd'hui, hein, le social tour entre la remontada, etc. L'OL Valais, vas-y Thiago, on t'écoute. Non, très, très rapidement, voilà, on est tous supporters, on a tous des avis un peu divergents à certains moments, mais c'est pas pour autant qu'on se respecte pas. Voilà, on a chacun notre propre avis. Donc je respecte l'avis de chacun. On n'est pas souvent d'accord, mais bon, voilà, c'est comme ça, et c'est ce qui crée aussi le débat. Voilà, simplement. Tout à fait. Très bien, très bien. Jordan, le mot de la fin peut-être? Oui, il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas, hein, encore une fois, pour tous ceux qui spéculent dans le chat. J'adore Thiago, sinon il serait pas là. Pas parce que je suis pas d'accord. Bien entendu. Ça recommence. je suis pas d'accord avec lui que je ne l'aime pas. J'ai des idées bien tranchées. J'ai mes informations et je suis quasiment persuadé de mes propos. Peut-être que je me trompe, j'espère pas. J'espère en tout cas que Thiago, lui, se trompe. Et vous verrez que oui, mais j'espère aussi. J'espère qu'on va passer de très très belles années. Il faut être patient en fait, tout simplement. C'est un peu cette génération qui veut ne plus rien attendre, que tout tombe tout cuit tout rapidement dans la bouche. Sauf que malheureusement, ce n'est pas comme ça. Et n'importe quel chef d'entreprise pourra vous dire qu'une société ne s'est pas montée en deux jours et elle n'a pas commencé à faire beaucoup d'argent la semaine d'après non plus. Donc soyez patients,
rester surtout unis les uns les autres. Arrêtons de Moi, je propose à Bomberman de monter dans une émission un jour s'il veut développer son avis, parce que dire que ça fait 20 ans qu'on avance et que ça n'avance pas, c'est une calomnie. Ouais, les avis dans le chat, en tout cas, ça a beaucoup réagi. Hein. Youssoel, c'est très bon. Dave Martin, on vous remercie tous. Vraiment, vous avez fait vivre encore une fois ce soir le chat. Chacun son avis, effectivement. Chacun voit midi ou voit l'OL à sa porte, comme il l'entend, bien évidemment. Allez, on va tous vous remercier. N'hésitez pas, un petit like, abonnez-vous, suivez notre actu. Il y aura encore d'autres invités. On s'excuse encore de la part de notre invité de ce soir, Manu Longeon, qui avait des problèmes de connexion. Bon, on a débattu sans lui, tant pis. En tout cas, c'était passionnant. Jeannot, merci. Thiago, Anis, Jordan, merci à Thierry au téléphone. Vous avez tous été bons. À bientôt. On se retrouve mercredi. Je vais laisser le boss, Jordan, nous en parler. Le mot de la fin, Jordan. Eh bien, les gones, on a tous un très, très gros rendez-vous mercredi ensemble. On a un prime spécial Mercato avec le grand Hugo Guimet. Donc, soyez nombreux, soyez présents, ça va être très, très sympa. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire. Grosse émission. Si vous avez des idées à toucher, n'hésitez pas à demander pour participer. Et s'il y a certains tweetos qui aiment bien avoir des opinions divergentes, je les invite à venir participer sur l'émission en nous contactant sur nos réseaux respectifs et les réseaux de Gundak TV si vous voulez participer. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, les gones. Vas-y, Thiago, et vas-y, on se retrouve rapidement. Non, juste, il y avait une question, excuse-moi, Joe, de toute façon, ça c'est la spéciale Thiago qui veut toujours remettre un petit mot. Non, mais il y avait une question pour Joe de Dave Martin. Il n'y avait pas deux invités. Oui, il y avait deux invités. Il y avait deux invités, donc je vais vous expliquer. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste que Monsieur Colo n'a pas pu être avec nous ce soir. Petit imprévu de dernière minute et on a eu beaucoup de soucis avec Manu Longeon au niveau de la connexion. Mais vous inquiétez pas, on a une liste immense d'invités à faire venir. On les met même par binôme, tellement on ne sait plus comment les caler dans les émissions. Donc restez connectés, il y a énormément, énormément, énormément de belles, belles surprises qui vont arriver. Donc voilà. Cette fois-ci, j'espère que Thiago ne va pas me couper, mais je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et je vous donne rendez-vous mercredi 21h sur le Prime, sur la chaîne Gundak TV. N'oubliez pas de vous abonner et liker cette petite vidéo. Ciao ciao les gones, à toutes. Salut tout le monde.